Tsume kobe yukedo Eh bien salut les amis, c'est Kermando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Yo-Kai Watch 3 Sukiyaki. Je vous rappelle qu'on était dans le Yopel HQ, donc dans le quartier général Yopel. Et apparemment, j'ai trop de mal à dire Yopel, je dis Yopel à chaque fois, je sais pas comment je fais mon compte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là, c'est là où ils fabriquent les montres. Mais ce que je me demande c'est qui utilise les montres Yo-Kai Watch? Enfin, non, les montres Yo-Kai, les Yo-Kai Watch, qui utilise ça? Parce que je veux dire, il y a Nathan, il y a Cathy, encore Cathy, on dirait qu'elle s'en sert plus, il y a Ariane, mais à part ça, enfin, est-ce qu'il y a aussi des gens qui récupèrent les Yo-Kai en France, en Europe, en Australie, en Afrique, je sais pas, je me demande, parce que bon, ils ont l'air quand même d'en produire beaucoup, alors que c'est un truc... Enfin, Nathan, dans Yo-Kai Watch 1 et Yo-Kai Watch 2, il a rencontré zéro personne qui utilisait des Yo-Kai Watch, à part Nathaniel, mais bon, Nathaniel, c'est quelque chose de différent, quoi, mais il a rencontré personne. Dans tous les cas, les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus pour cette série. Mais est-ce que c'est vraiment des Yo-Kai Watch qui... Ben oui, de toute façon. Mais oui, regardez, à droite, ce sont des Yo-Kai Watch, c'est sûr. À gauche, peut-être pas, mais à droite, c'est sûr que ce sont des Yo-Kai Watch. De toute façon, ils auraient pas mis des Yo-Kai Watch en démonstration, si c'était pas... leur vitrine, si c'était pas de leur produit phare, quoi. Et si c'est leur produit phare, c'est qu'ils en vendent beaucoup, quand même, qu'ils en font beaucoup. What? Je vais faire quoi, moi? Hein? Ah, je dois trouver des Yo-Kai Watch qui sont pas bons, c'est ça? Et qui sont pas bonnes. D'accord, ok. What? Hein? J'ai pas compris, c'était quoi ce mini-jeu trop bizarre? Je devais trier les bonnes et les mauvaises Yo-Kai Watch? Et ça m'a rien donné en plus? Bon, ok, d'accord, j'ai pas bien compris pourquoi ils m'ont demandé de faire ça, mais pourquoi pas? Ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais bon, s'ils veulent, ok, on a trié les Yo-Kai Watch. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont fait pour faire un réveil Yo-Kai, quoi, c'est trop bizarre. Quoi? Pourquoi ça continue? Donc là, elles sont bonnes pour l'instant. Ah, il en faut 25 en plus. Ah ouais. En plus, dans la poubelle, il y a l'air d'avoir que des bonnes Yo-Kai Watch. Donc bon... Ah, là, elle est pas bonne, celle-là. Elle non plus. D'accord, hein, c'est quand même sacrément simple. Hein. Et voilà. Sans faute. J'avais 3 vies, en fait, pour y arriver. Ok. C'était un entraînement, alors, la première fois. D'accord, je comprends mieux. Mais encore une fois, ça doit être le genre de truc Level 5 l'a développé pour qu'en fait, ça n'arrive qu'une fois dans le jeu, quoi. Parce que c'est comme le combat de mecha, là, quand on était contre l'espèce de gros dinosaure et tout, c'était stylé. Mais bon, vous m'avez dit dans les commentaires, ça n'arrive qu'une seule fois, quoi. Donc, c'est ça qui a ralenti, enfin, qui a retardé énormément la sortie du jeu, quoi. Parce qu'au final, ils ont développé plein de trucs avec plein d'idées de ouf. Mais en fait, ces idées de ouf, elles servent pas très souvent, donc c'est un peu dommage, quoi. Dans tous les cas, je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais Yo-Kai Watch 4, il a été repoussé, hein, il devait sortir à la fin de l'année au Japon, finalement il sortira l'année prochaine, il sortira l'année prochaine, si Level 5 ne le repousse pas encore, hein, parce que si c'est comme Yo-Kai Watch 3, ils vont peut-être encore le repousser, mais dans tous les cas, ils ont dit pour l'instant qu'il sortira l'année prochaine. Ok. Je fais du sans faute, c'est juste que je me suis fait avoir la première fois parce qu'en fait je croyais qu'il fallait appuyer sur A au moment où le truc passait sur le tapis. J'avais pas vu qu'il y avait une histoire de trier. En même temps, c'est-à-dire comme je comprends pas le japonais, je ne peux pas bien comprendre ce qui se passe. Jozu, ça veut dire quoi Jozu? Je sais pas ce que ça veut dire. C'est son langage là, au robot. Où est-ce qu'on va maintenant? Bon, ça n'empêche que si moi, on m'avait emmené dans cette usine Yo-Kai pour faire ça, j'espère que c'était gratuit, en tout cas, la visite, parce que bon, elle est pas ouf, quand même. Puis, il a quand même failli se faire tuer, en plus, par des Yakuza, il y a pas longtemps, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, là, on dirait qu'on est enfermé. C'est pas bon signe, ça, si? Ça sent mauvais, là, non? Il manque plus qu'il se passe un problème, là. Mais je me souviens, il y avait vraiment toutes ces zones dans Yo-Kai Watch Bubble Bobble. Il y avait juste pas le souterrain, mais il y avait la zone centrale avec les 4 trucs sur les côtés.
D'ailleurs, il fallait aller sur les 4 trucs de chaque côté et ça finissait en cul-de-sac. Il fallait faire un objectif particulier sur le niveau final de chacune des branches pour ouvrir en fait le boss final au milieu. Enfin, le chemin vers le boss final au milieu. Parce que le boss final, il était au-dessus de l'aquarium. Je sais pas s'il sera au même endroit la prochaine fois, mais il est au-dessus de l'aquarium. What? Je me combats? Pourquoi? Je me combats contre qui là? What? C'est un combat officiel? D'accord. Pourquoi pas? En fait, c'est les autres qui sont dans l'attraction, non? C'est les autres qui font la visite. Allez, non. Bon, il a plus qu'un point de vie là, Komajiro, c'est pas possible. Enfin, il a peut-être pas plus qu'un point de vie, mais en tout cas, il en a pas beaucoup plus quoi. Allez. Il est presque mort, dépêchez-vous! Allez, attaquez-le, attaquez-le! Ah non, non, il en avait encore un petit peu plus que ça, mais bon. Bon, on va tuer le rang S. Ah, il y a Krapop aussi! Ouais, là, ils sont beaucoup quand même. Après, je vais essayer de tuer Krapop. Attendez, mais pourquoi j'ai Komasan dans mon équipe? What? Mais pourquoi j'ai Komasan? J'ai plus de soigneur! Mais attendez, mais c'est quoi cette équipe? J'ai une déballerine! Mais ça sort d'où? Ça sort d'où? Mais c'est pas du tout Miyokai! What? C'est stylé, mais bon, j'ai des ballerines, genre, elle sort du sol. C'est ouf. Attendez, j'essaie de récupérer des vies, j'en ai besoin. Ah, pas mal. Bon, là, tuer Kyubi au plus vite. Après, d'ailleurs, il restera peut-être beaucoup moins de yokai. C'est bon, il n'y en a plus que deux? Ok, très bien, c'est parfait. Bon, mais là, en fait, je m'en moque de les purifier, parce que dans tous les cas... l'XP que je gagne, enfin je vais pas gagner d'XP je pense vu que c'est un combat qui a été fait avec une équipe qui m'a été imposée. Enfin je suis bien content d'avoir eu des ballerines dans mon équipe. Hein. Bon, j'ai presque plus de batterie. Et what? Pourquoi ce sont ces yokai qui gagnent de l'XP alors qu'ils étaient même pas en combat? J'ai pas du tout compris ce qui vient de se passer. J'ai absolument pas saisi ce qui vient de se passer mais bon, qui m'ont forcé à faire une team contre une autre. Ah d'accord! Ok, mais je sais pas, ça m'a l'air d'être un choix un peu arbitraire là, mais bon, ils ont choisi une équipe contre l'autre, pourquoi pas. Et c'était quoi ça d'ailleurs? C'était une attraction aussi? Pourquoi ils nous ont fait nous battre? Komasan, tu veux nous rejoindre? Allez! Ou Komajiro, enfin je préférerais Komasan, mais si c'est Komajiro aussi, ça va. Allez Komasan, on devient amis? Enfin on était déjà amis en plus, suffit juste... Yes! C'est Fuji qui nous redonne sa médaille! Allez, tous les fans de Komasan, lâchez plein de pouces bleus pour notre yokai préféré. Enfin, même si c'est pas votre yokai préféré. Hein. D'ailleurs, dites dans les commentaires quel est votre yokai préféré. Hein, mais moi, c'est vraiment toujours Komasan. En plus, regardez, il est ouf! Il débloque un saut du médaillium! C'est ouf! Il permet de débloquer un légendaire. C'est la première fois, je crois. C'était pas le cas dans Yokai Watch Blaster. Par contre, je crois que Komaus le faisait. C'était absolument pas le cas dans Yokai Watch 1. Par contre, peut-être que Komajiro le faisait. Ou Komistigri, je sais plus. Et c'était pas le cas dans Yokai Watch 2 non plus. Non, Komasan, il a jamais débloqué un saut du médaillium. Jamais, jamais, je crois. Ça doit être la première fois. Hein. Je ne suis pas catégorique, encore une fois. Hein. Ça peut être le genre de truc sur lequel je peux me tromper, mais il me semble pas. Komaus, je crois que oui. Peut-être au moins dans Blaster, mais Komasan, je crois jamais. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette salle? C'est la dernière, là, qu'on fait. Et après, comme je vous l'ai dit, il faudra revenir au milieu, normalement, pour battre le boss. What? C'est la cafétéria? Ah, ça m'ouvre l'appétit, ça, j'ai un peu faim. J'avoue que j'ai un peu faim. En vrai, en plus. Ouais, parce qu'en plus, pour le combat qu'on vient de faire, là, il y avait Agent Spectre dans notre équipe. Ça m'avait pas interpellé, mais... Je n'avais pas l'Agent Spectre, en fait. C'est Snow Spectre que j'ai. Alors là, je peux acheter des trucs. C'est quoi encore cet animal? C'est un requin? Il a chié ma scène. Pourquoi il s'excuse? Pourquoi elle s'excuse là? Qu'est-ce qui se passe? Gomen Nasai se dire pardon, désolé. Bip bip bip. Mais ils sont en train de se disputer les deux yokai autour? J'ai pas compris. Bon tant pis. Peut-être qu'on voulait acheter un truc et qu'en fait y a plus rien. Genre ils ont peut-être tout mangé. Ah, là on va monter. Je sais pas si ça va être le boss maintenant. Dans Weeble Wobble, c'était maintenant le boss. Juste en haut là. Ah, il y a un bleu yeux. D'accord. Ça sent pas très bon, hein.
Par contre, la piscine, elle est stylée. Mais il y a un énorme requin robot dans la piscine. Et ça n'empêche que le seul truc qui empêche les gens de tomber dans la piscine, c'est une toute petite barrière en métal. Genre, c'est pas très malin quand même, parce que je veux dire, des gens qui tombent par erreur, il doit y en avoir beaucoup. Déjà que les gens arrivent à tomber derrière une barrière quand elle fait 2 mètres de haut. Alors là, ça doit arriver souvent, non? Ah ah! Qu'est-ce qu'il fait comme trajet, d'accord? Oh, ils sont trop mignons! Non mais je vais quand même pas sauter dans la piscine, là. What? Je dois pêcher? Ok, attendez, attendez. C'est quoi ces poissons en plus? Genre ce sont des sols? Mais les sols en vrai c'est pas... ça se cache pas dans le sol. En plus je voulais même pas faire une blague, mais je crois que les sols c'est pas un truc qui se cache dans le sable. Mais si! C'est une sole! Les sols ça peut être à la surface comme ça? Oh, peut-être que oui, hein, j'en ai aucune idée. Attendez, faut que je continue d'avoir des poissons? C'est quoi ça? Mais attendez, mais je comprends pas ce que je dois faire là. Je vais peut-être récupérer un poisson en particulier, mais si c'est le cas, je sais pas lequel c'est. Allez. Bon, c'est fini là. Ah, j'ai une écrevisse. C'est même pas des robots en plus. Attendez. Là, y a rien. Je vais essayer d'avoir une de chaque en fait. Enfin, une de chaque espèce de poisson. Ça, c'est une anguille, je crois. Ça peut pas être une anguille, c'est pas dans la mer les anguilles ici. Les murènes si, mais les anguilles j'en sais rien. Ah peut-être que si, j'en sais rien, j'y connais rien en poisson. Hein. Il y a peut-être des anguilles dans la mer. Anago, oh j'en sais rien. Mais ouais, il y a peut-être des anguilles dans la mer et dans les rivières. je crois que ça c'est la dernière espèce de poisson que j'ai besoin de récupérer. Les autres, il me semble que je les ai tous. C'est quoi ça, ça va être un bar commun? Allez, non, non, non. Ok, vas-y, sors de là. Et c'est... What? Kiss. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Bon, qu'est-ce que j'en fais de tous mes poissons, là? Ah, d'accord, ok. L'écran était devenu noir pendant suffisamment longtemps pour qu'on puisse penser qu'il y avait enfin une cinématique. D'ailleurs, ils en ont récupéré vraiment beaucoup des poissons, tous les deux. Mais il y a le requin, n'oubliez pas, hein, on l'a pas vu, d'ailleurs. On n'aurait pas pu le pêcher, vous imaginez. Un truc de ouf. D'ailleurs, ils seraient pas en train de pêcher le requin, là? Non mais parce que si on a vu le requin d'en bas, ça m'étonnerait qu'il ait disparu mystérieusement là. Non mais ça l'a rendu fou, je le savais que c'était une mauvaise idée de pêcher. Je m'attendais à ce que le requin il sorte de... Ah, en plus il revient, mon dieu. Il parle le requin? Il est gentil ou quoi? Il s'appelle... Why Shaku. Ah, ça s'appelle le Yokai Shark, enfin le requin Yokai, littéralement. Why Shaku. Shaku, ça veut dire shark, genre c'est requin en anglais. En japonais, il y a un autre mot pour le dire, mais les japonais ils aiment bien mettre les mots anglais. Donc ça veut dire le requin Y, donc requin Yokai quoi, comme la Yokawash quoi. Yokai requin, Yokai Shark. Il va nous aider? Peut-être que oui. D'accord. Surtout qu'il a fait une poussée dans l'eau là, hein, parce que le requin, il peut peut-être faire semblant d'être notre ami, mais il m'aura pas, hein, il m'aura pas, moi j'entrerai pas dans son jeu comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, faut le pousser? Ah, je pense qu'il faut le pousser pour que le requin le mange, non? Et comment je fais ça, moi? What? Hein? Ah, d'accord, je choisis ça, non? Comme ça va le repousser, non? J'ai pas compris. Ah oui, ok, ça le pousse. D'accord, sauf que maintenant faut se sortir de là. Non mais bougez-vous là, qu'est-ce que vous faites? What? Ah, j'ai cru qu'il allait me tirer dessus quand même. J'ai eu peur. Ça sert à rien de changer nos âmes ultimes, mais pourquoi pas. Et qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il tombe pas? En plus la musique elle est terrible là. Bon, vous attaquez là, Orcanos? Oh non, 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 non. On lui fait tellement peu de dégâts. Il va faire mal à l'un de mes yokai, là, je le sens. Non, pourquoi il s'arrête pas?
Ça arrête jamais? Ah bah ok, d'accord, il nous a loupé. Ah mais ça c'est du hasard en fait. Ah c'est chaud hein. Bon, on lui fait quand même pas mal de dégâts, hein. Beaucoup plus que je ne le pensais. Ah non mais là je peux plus l'avoir. Lui on peut pas l'avoir non plus. Je vais essayer de lui tirer dessus avec le pistolet. Ah mais non il tombe pas encore, il faut qu'il... Il faut le repousser encore une fois pour qu'il tombe. C'était quoi déjà que j'avais pris? Ça c'est plus que c'est... Non, ça... non je voulais pas faire ça, je crois que ça c'était nul. Je crois que ça c'était vraiment super nul. Ouais bien sûr, on n'est jamais sur high. Ah non ça va ça, ça va ça va. Il y a tellement pire. Ok. Allez je lui aurais fait perdre pas mal de vie. Bon il est pas mort mais il aura perdu quand même on va dire un petit dixième quoi. Ça va c'est cool. Allez frappe. Et quand est-ce qu'il fait revenir ses panneaux là? Il faut qu'on le repousse. Il faut à tout prix qu'on le repousse. Ah ok d'accord. Donc, on continue, on le repousse encore. Là, c'est bon, il va se faire manger. Oui. Oh. Attends, il est mort d'un coup, quoi. Non, quand même pas, c'est trop facile. Ah, c'est bon, c'est le coup de chance. Ok, d'accord. Maintenant, c'est le coup de chance. Bon, alors, toi, tu vas utiliser ton âme ultime. Et après, il faut que j'utilise celle de... Ah, non, non, il... Ah, mais il bouge pas, je crois. Il bouge pas beaucoup ce boss en fait. Il reste beaucoup sur place. C'est nous qui le faisons bouger. Bah ouais, ouais c'est tout le principe en fait. Vas-y. Ok, je m'attendais à mieux, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Mm-hmm. Ça va, il peut pas nous avoir. Heureusement que ça nous indique exactement où ça tire. Hein, parce que sinon ce serait super chaud. Faut que je l'amène une fois vers la droite. What? Waouh, heureusement que j'étais pas là-dedans parce que je pense que je serais mort d'un coup là. Oh ah. C'est pas ouf ça en fait. Là genre il y a tellement mieux quoi. Je vais récupérer quand même mais Oh non. Oh non. Je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir. Bon, dommage. Ok, c'est bon. Frappe avant, frappe avant. Tu vas peut-être annuler son coup. C'est bon, frappe avant, je sais pas. Miminian, vas-y! Ah non, ça fait pas grand chose, quoi. Oh, ça va. Je m'attendais à bien pire. Oh, ça va, ça va, ça va. Bon, alors. Là, d'abord, on va l'emmener vers la droite. Et après, on va l'emmener vers l'arrière et encore et encore et encore. Bon, là, de toute façon, il n'y a rien de spécial à faire. Je vais essayer de tirer avec le même, c'est pas mal en fait. Donc c'était celui-ci. Il en est où de ses vies là? Hi, 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 on n'a jamais eu... Mais non, mais what? Mais jamais. Oh, ok, d'accord, ça commence mal. Il est quand même beaucoup plus facile que dans Weeble Wobble. Hein. Alors là, peut-être qu'il va changer de phase, hein, j'en sais rien, mais dans Weeble Wobble, il était terrible ce boss. Et là, je trouve que ça va quand même. Ça va, hein. De toute façon, dans Weeble Wobble, c'était juste faut être rapide, quoi. Alors que là, si t'arrives à éviter ses attaques, c'est bon, tu souffres. Oh mon dieu. Mais ouais, mais si t'arrives à éviter ses attaques, ça va. Mais quand même, il m'a fait mal, là. Tataura, vas-y. Là, on le repousse. Dommage qu'on puisse pas le repousser plusieurs fois, quoi. Parce que ça va en mettre du temps pour l'emmener tout derrière. Faut encore que je le fasse deux fois. Ah ouais. Oh, oh, non, 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 non. Toi, tu vas là. Bon, en tout cas, maintenant, j'ai le niveau pour battre les boss. Hein, c'est cool. Et en plus, mes yokai derrière, ils vont sûrement augmenter beaucoup de niveau. Vu toute l'XP qu'on va sûrement avoir en battant un boss. Alors, je vais faire ça. Et je vais utiliser l'âme ultime d'Orcanos. Allez, Orcanos! Pourquoi il veut pas? Elle est pas chargée? Ah non, elle est pas chargée du tout. Ah, j'avais pas vu. Oh non, pas Miminian encore. Parce que là, Miminian, ça l'a tué, hein. Non, non, arrête-toi, arrête-toi. Mais à droite, ok, ouf. De toute façon, j'ai pas beaucoup de chance de me faire avoir, en fait. J'en ai très peu, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai que 2 chances sur 8 de me faire toucher, hein. Donc 2 chances sur 8, ça fait 1 chance sur 4 de me faire toucher. Ça va, hein. Parce que ça va pas sur celui du milieu, donc... tranquille, celui du milieu, il est immunisé. Oh là là.
C'est un engin de destruction, ce truc. Genre, celui qui a construit ça, mon dieu. Ah, ça c'est ouf, ça c'est ouf. Attendez, attendez. D'abord je fais B. Non, j'irai le chercher après. Je pense pas qu'il disparaisse, le pistolet. Puisque de toute façon, il attaque pas le boss pendant ce temps. Non mais... Non mais jamais je m'arrêterai sur le high, quoi. C'est incroyable. Ok. Mais je trouve que c'est le meilleur, ça. Ça fait pas mal de dégâts. C'est pas lent. La zone, elle est toute petite, mais... Mais ça va, parce qu'en fait, comme le projectile, il est rapide, c'est facile. Ah mince, j'ai deux tours pour y aller. Ah, il aura peut-être disparu, le pistolet, par contre. Non, 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 Orcanos. Ok, va le chercher. Et là, lui, on le repousse. Vas-y, Orcanos. Ah, il va se faire avoir, mince. Mais ça se trouve, ça lui tirera pas dessus, alors. Parce qu'il a peut-être été envoyé... Ah mince, il est envoyé sur un côté. Ah non. J'aurais dû attendre. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Quoi? Il s'est déjà réveillé? Non, on a eu le temps de rien faire. Ah, c'est dommage, parce que ça fait trop de dégâts en plus comme attaque. Bon, bah tant pis, hein. Faut le faire revenir. Oh là là. Mais on va bientôt l'avoir là. De toute façon, dès qu'il se retrouvera sur la droite, je vais attaquer avec la multime d'Orcanos. Il est vraiment cool, ce combat de boss. Je le trouve original et tout, c'est ouf. Ah mince, non, je vais le mettre là. Comme ça, il est sûr de pas se faire avoir. Dans tous les cas, il se faisait pas avoir, mais je pouvais pas le prévoir, ça. Non. Ok, on va réutiliser le pistolet. Le pistolet, c'est super pratique aussi pour retirer des vies de manière assez safe, en fait, parce que tu te fais pas attaquer pendant ce temps. Hi. Non mais, je suis jamais tombé dessus, jamais. C'est le dieu des yokai, il m'en veut là, hein. Le roi Enma, je sais pas ce que je lui ai fait, mais what? Non mais je l'avais carrément eu, quoi. C'est n'importe quoi. Ah mince, j'aurais pu retirer une dernière fois. Bah non, j'aurais pas pu, justement. Il y aurait eu moins d'une seconde de plus et c'était bon. Allez, finissez-le, il lui reste plus beaucoup de vie. Ok, alors. Voilà, amultime d'Orcanos. C'est parti. Et... Ok, ça c'était facile, hein. Ils m'ont donné... trois fois le même truc. Oh non. Ok, c'est bien, c'est bien. Maintenant. Voilà. Non, mais on a toujours le temps, en fait. On a toujours le temps de pouvoir s'enfuir. Par contre, Tataura devant, c'est peut-être pas une bonne idée, mais... J'avais pas le temps. J'avais pas le temps de réagir. J'ai essayé d'envoyer Miminian, hein. Ouais, allez. Ça tombe bien parce qu'en plus il faisait une super attaque là. Allez. Ah, il fait souvent son âme ultime. Hein. Ah là là. Mon sang sera quand même beaucoup mieux sorti. J'ai l'impression que les combats de boss quand même on s'en sort mieux que dans les autres Yuka Watch parce que tu peux éviter quasiment toutes les attaques des boss. Hein. Ça change quand même beaucoup de choses ça. Et mon pistolet est presque rechargé là. Dans un tour c'est bon. Ok, c'est bon. Mais écoutez, j'y vais. On utilise toujours le même. J'espère que ça va pas bugger et que ça va pas sortir. Non, mais c'est pas croyable. Ça s'arrête toujours au mauvais endroit, c'est ouf. Ah, il y a moyen que je le finisse, non? Le finir, peut-être pas, mais lui faire mal, oui. Oh là là. Pas si je le loupe. Non. Ok, très bien. J'ai profité pour l'avoir une dernière fois. Ouais. Il a pris cher là. Bon, bah allez. De toute façon, on le fera pas tomber dans l'eau. Mais. Ah si! Si, si! Ok. Bon, voilà, de toute façon, il s'est retrouvé à terre. Ils vont lui donner trois coups et il sera mort. Allez, Orcanos! Attendez, si je mets comme ça, ça renforce l'attaque, non, je crois. Orcanos, mais flâne pas! Pas loin de flâner là, genre pas du tout, hein. Allez, encore un coup et c'est bon. Non, encore un. Oh, oui,
C'est bon, le Yopelbot. Bah oui, je vous ai pas dit son nom, mais il s'appelle le Yopelbot, lui. Enfin, je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais je crois que je l'avais pas dit dans cet épisode. C'est le Yopelbot dans Weeble Wobble. Peut-être qu'il s'appelle pas comme ça en japonais, mais je crois que si. En plus, on a gagné un bon objet d'équipement, je crois. C'est bon, t'es calmé là? Tu vas plus essayer de nous tuer? Il était en mode level 5, en mode niveau 5 d'urgence. What? Ah ben, on l'a carrément cassé là, le pauvre. Ah mais il nous a bien aidé le requin. Merci hein. Il était pas si méchant. What? Ah bah ok, puis il disparaît. Lui quand il tombe dans l'eau, il disparaît. Genre c'est un requin caméléon quoi. J'espère quand même que Steve Joe et tous les autres vont pas nous gronder parce qu'on a quand même cassé un de leurs robots hein. Non? Ça va? Tu nous en veux pas? Oh, il est content qu'on l'ait débarrassé de son robot tueur. Oui. Ah, c'est trop beau l'extérieur là. Genre il y a un côté c'est l'automne et de l'autre c'est le printemps ou l'été, j'en sais rien. C'est trop bizarre, mais c'est ouf. Et de l'autre côté ils auraient pas fait l'hiver. Ah mais c'est pour... c'est un peu comme dans la Yuka Watch, parce que la Yuka Watch il y a aussi 4 couleurs, ça doit être pour ça en fait, donc il doit y en avoir effectivement 4 couleurs. Je sais pas, mais je pense qu'on peut pas regarder partout. Eh mais c'est Steve Joe là, non? Eh c'est Steve Joe. Il est en fin de retour. Qu'est-ce qu'il faisait dans l'espèce de cité archéologique ou j'en sais rien là Je sais pas, non. Enfin cité antique plutôt. Genre Steve Joe sur son temps libre, il est archéologue, c'est ça? Peut-être bien. What? Un yokai Kurina Cleaner? Quoi? C'est un robot aspirateur yokai? Mais ça sert à quoi ça? Oui, mais j'en ai un truc comme ça, c'est un aspirateur, mais c'est des aspirateurs qui passent l'aspirateur tout seul. C'est genre, tu l'allumes et il scanne ta maison et il passe l'aspirateur tout seul. C'est bien, sauf quand t'as des étages, parce que bah il peut pas prendre les marches tout seul. Mais ouais, et pourquoi c'est yokai là? Pourquoi c'est yokai? Genre... On va se jouer Luigi's Mansion, on va aspirer les yokai dans notre cleaner, c'est ça? J'en sais rien, c'est bizarre. Ah, ils ont donné à Ariane la yokai dream, enfin la yokai match dream, ils lui donnent le pistolet aussi ou pas? Parce qu'elle doit bien en avoir besoin, non? Parce que là pour l'instant il n'y a que Nathan qui peut tirer sur les yokai. J'en sais rien, je crois qu'elle l'a pas hein. On verra bien. さあ、次のお話は?ついに来ちゃいましたよ!イエース!おい、こいつ大丈夫か?大丈夫だよ、多分。それよりマック、向こうにあるあのお屋敷、本当に俺たちだけで忍び込むの?ああ、でも気をつけろ。 あそこは相当やばい場所だからな。うっひょー、そうと聞いたら、なんだか余計燃えてきたであります。おい、こいつ、本当に大丈夫なんだろうな。うん。次回、第7章、不思議な館の大脱出。絶対に見逃すなよ。 Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'Ariane va aller aux États-Unis. Dans tous les cas, les amis, on va en rester là pour cette vidéo de Yokai Watch 3 Suki, à qui j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, et bien comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut!